Kemba. Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, encore à l'instant où nous nous tenons devant ta face, nous venons devant toi Seigneur, pas comme des malades, pas comme des gens en bonne santé, mais nous venons en tant que des malades. Si nous étions en bonne santé, nous ne serions pas venus ici. Mais nous venons parce que nous avons compris que nous sommes des malades. Et étant des malades, nous savons que toi tu es le médecin. Et nous venons devant toi. Devant toi. Et à toi. Afin que nous ayons le médicament. Et tu viens de nous donner le médicament. Nous ne venons pas le prendre pour les autres. Mais nous venons pour que nous-mêmes nous puissions le prendre. Et que nous puissions le boire. Et que ton remède puisse agir en nous. Et que nous ayons la bonne santé. Celle qui vient de ton remède. Et ton remède, c'est ta parole. Tu nous l'as envoyé. Donne-nous la foi. Pas seulement la foi. Mais l'obéissance de la parole. Afin que nous voyons l'effet de la parole. C'est ce que toi tu attends. Parce que car tu as déjà envoyé le remède, maintenant tu attends voir l'effet du remède. Ainsi la parole ne te retournera pas en vain. Le remède ne reviendra pas à toi en vain. À moins qu'elle ait produit son effet. Et son effet c'est nous. Jusqu'à ce que notre maladie soit partie. Que nous soyons devant toi en bonne santé. Que la gloire, l'honneur et louange, nous te le rendons. Est-ce que tu as utilisé ton serviteur? Et tu continues à l'utiliser jusqu'aujourd'hui. Nous demandons que le même esprit qui était sur les prophètes et sur les apôtres et les messagers qui se trouvent aussi sur nous afin que nous nous mettions à l'œuvre ton œuvre à toi
et ne pas à nous, mais à toi. Bongonde to senge panayo. Ainsi nous t'avons demandé. Na kombo yanko na biso Yesu Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Tuokoti kala kotelema mena kotanga likumi lyoko. Nous allons rester debout et je lirai une écriture. Banjembo kama yoko na sambo. Dans Psaume 107. Zela ya butangi tukumi bali. Le verset 20. Il envoya sa parole. Yatinda kili lobango na ye. Et les guérit. Pea biki saki bango. Il les fit échapper de la force. Akimisa kibango utana libulu mozindo. Tekanzambe asupa lipambuli likolo ya litange ya liloba katina kombo ya nkolo Yesu Kristo. Que Dieu répande sa bénédiction sur la lecture de la parole au nom du Seigneur Jésus Christ. Togogovanda. Pouvons nous rasseoir. Bonjour à tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez me supporter quant à la voix, mais le corps est bien portant. Vous savez les intempéries qui nous frappent. Mais heureusement, la Katnabiso t'as eu le grand médecin. Mais heureusement, parmi nous, nous avons le grand médecin. Amen. Amen et à faible. Amen. Le grand médecin. Mungangango monene. Amen. Parmi sont de beaucoup sont de médecins d'Enea. Mingi bazali, minganga yampamba. Mais lui. Kasiye. Et le grand, yendele ki monene, et le véritable, to ya solo pensa, qui guérit, o ya biki saka, et qui sauve, ya biki saka pemolimo, qui sauve, ya biki saka molimo, et qui guérit, ya biki saka nzoto, et qui délivre, ya kangolaka, et qui renforce, ya komi saka makasi, qui rétablit, o ya zongi saka. Et qui restitue. Et qui restaure. Et qui restaure. Et il peut tout. Et à Kokakanyonso. Amen. Frère Franck, à Lubaga Mokolomoko. Frère Franck avait dit un jour. De Gomoro Tuna qui est Mutuna. Un frère lui avait posé une question. Alors bien, est-ce que Nakati Nabiso, à Tosana, de Gomoko, Zuli Kabo, ya. Mabiki. Il dit, est-ce que parmi nous, il y a un frère qui a le don de guérir les malades? Des guérisons. Des guérisons. Parce que les dons de guérison, on n'a plus rien. Ah, les dons de guérison, le Kisawa, Naboike. Tang. Lisons. Na 1 Corinthiens. Namoko, Bakolinto. Zira Yabutangi. Tukubandatana Sambo. On va commencer au verset 7. Ata soto bandi nanzela ya minei. Même si nous commençons au verset 4. Il y a diversité de dons. Ezwa mindenge nandenge ya makabo. Mais le même esprit. Kasi eli mwango moko kaka. Pas beaucoup. Mingite. Le même esprit. Eli mwango moko kaka. Pas chacun a son esprit. Ezali tete moko na moko azwe eli mona ye. Chacun de nous. Moko na moko na biso. Doit avoir le même esprit. Asengeli kozo eli mwango moko moko ana. Avec l'autre. Na mosuso. Diversité de ministères. Ndenge na ndenge ya misala.
Mais le même Seigneur. Pas beaucoup de seigneurs. Mais le même. Un seul. Et tous. Qui ont reçu un ministère. Doit servir ce même Seigneur. Mais avec leur diversité de ministères. Mais servant le même Seigneur. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu. Maintenant, l'opération ici. Les diverses opérations. Ce n'est pas nos opérations. Ezali misala ya bisoté. Non. Moi, je sers Dieu à ma manière. Non, non. Bouti. Pas comme ça. Oh, nganaza coopéré. Zongé la opération pour essayer ma bien. Nganaza li coopéré. Diversité d'opérations. Ndenge na ndenge akosale la. Oh, nganaza coopéré na ndenge na. Oh, moi j'opère à ma manière. Non, non, non. Ah, bah on sait une opération ou yayoti. Ici, on ne demande pas ton opération à toi. Mais l'opération de Dieu qui opère différemment. C'est le même Dieu qui opère. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout. En tous. Katina Banso. Voyez. Bomoni. Dieu opère par l'apôtre. Zamba kosala na nzela Antoma. Dieu opère par le docteur. Zamba kosala na nzela Molakisi. Il opère par l'évangéliste. Akosala na nzela Mpanga Sango Malamo. Il opère par le berger. Akosala na nzela Mopateli. Et il opère par le prophète. Akosala na nzela Mosakoli. Amen. Amen. Et Dieu opère aussi par des diacres. Il opère aussi par des anciens. Dieu Zambé opère par la prophétie. Dieu Zambé opère aussi par la guérison. C'est l'opération divine. C'est Dieu qui opère. Zambé yenda kosala. Et à sœur, c'est pas une sœur. Et à peu frère, c'est pas un frère. Mais c'est le même Dieu qui opère tout. Oya kosala nyonso. Et il opère tout en tous. Katina Banso. Dieu Zambé opère par les chantres. Akosala nzela bayembi. Dieu opère par la chorale. Zambé akosala nzela chorale. C'est Dieu qui opère tout. Zambé ndaza kosala nyonso en tous. Katina Banso. C'est-à-dire, c'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui œuvre. C'est Dieu qui agit. Pardon. Motote. Mais Dieu. Kasinzambende. C'est pourquoi je toye awa. Toi, quand nous venons ici, nous voulons voir l'opération de Dieu. Et il opère différemment. Dans la diversité. Mais c'est lui-même qui opère tout. Mais en tous. Nous voulons le voir dans une sœur.
Nous voulons le voir dans un frère. Tu regardes, tu dis, c'est pas la sœur. C'est Dieu qui a opéré. Zambenda Salaki. Et un frère était. C'est pas ce frère. C'est Dieu qui a opéré. Zambenda Salaki Ango. Et c'est pas un chant. Ça, c'est Dieu qui opère. Oh, Zambenda Zakosala. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Je crois qu'aujourd'hui, cette écriture est comprise et ce sera mis. Amen. D'une bonne manière. Na le lingi amalamu. Oh, Zokande. À chacun. Et pas inamoko namoko. La manifestation de l'esprit. Comment ni sama elimo yango? C'est la manifestation. C'est la démonstration de l'esprit. Et ayoté. C'est pas toi. C'est l'esprit qui se manifeste. C'est l'esprit qui y est démontré. Il se démontre. Deux fois. Balamingi. Busso. Non. Nous avons aussi notre manière à nous humaine, à nous manifester. Mais ça, ce n'est pas l'esprit. Il s'est caché finalement, il s'est manifesté. Mais si vous osez sur la combattre tu dis mais Mimonisi, namoni kezayo. Tu t'es manifesté, je vois que c'est toi. Ton entièreté c'est ça. Mais il faut confondre la manifestation d'un homme et la manifestation de l'esprit. Alors il ne faut pas confondre la manifestation d'un homme nao ya elimo. Par un don divin, ce n'est pas la personne qui se manifeste. Mais c'est l'esprit qui se manifeste. Et on confond souvent la manifestation de l'homme et celle de l'esprit. Quand quelqu'un parle en langue véritable, c'est l'esprit qui se manifeste. Ce n'est pas cet homme. Est-ce que vous suivez bien? Quand quelqu'un donne une véritable prophétie, ce n'est pas cette personne qui se manifeste. C'est l'esprit de Dieu qui se manifeste par la prophétie. C'est une manifestation de l'esprit. Non, de l'homme. C'est comme ça, il y a beaucoup d'ignorance au sujet des dons. Et Paul en parle ici. Au verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, Bandeko, que vous soyez dans l'ignorance. Non, je ne veux pas ça. Que vous soyez dans l'ignorance. En ce qui concerne les dons. Et les dons spirituels. Pas les dons naturels, mais les dons spirituels. Pas les dons humains, mais les dons divins. Amen. Amen. Or, à chacun, verset 7, Sambo, la manifestation ou la démonstration de l'esprit, l'esprit en majuscule, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu. Dieu est esprit. La manifestation de l'esprit, c'est la manifestation de Dieu. Et donner cette manifestation de l'esprit de Dieu est donné pour
l'utilité commune. Bona litomba ya banso. Pas individuel, mais commune. Pas pour soi-même, mais pour l'utilité commune. Amen. Amen. Maintenant, écoutez. Si tu prends ça. Verset tout en qui na 1 Corinthiens 2 vendredi. Tu prends le verset qu'on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 2 le vendredi. Verset 4. Molonga Minei. Chapitre 2 de 1 Corinthiens verset 4. Moko bakolito moko pomami balé molongo mwaminei. Et ma parole et ma prédication. Peli lobanangai peli te anangai. Toutes les deux. Nyon somi balé. Ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Et zala ti kopé maté likolo ya maloba ya kondimisa mana bwanya. C'est-à-dire la sagesse humaine. Ko ba bwanya moto. Mais Kasi, ma parole et ma prédication reposaient sur une démonstration d'esprit. Une démonstration d'esprit. Quand je parlais, ma parole, quand je prêchais, ma prédication reposait non pas sur la sagesse ou sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. Non, mais elle est reposée sur une démonstration. Une manifestation d'esprit et de puissance. C'est-à-dire, ce n'était pas moi. C'est l'esprit qui parlait. Je n'étais qu'un instrument, mais utilisé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu s'est servi de moi. Il m'a utilisé. Ce n'était pas Paul qui se démontrait. Non. Pas sa sagesse. Dans ses discours, la sagesse qu'il pouvait apprendre de Gamaliel, non pas ça, ma parole que je vous ai apportée, que Dieu me l'a donnée, ma prédication de l'évangile, que j'annonçais Christ, ne reposait pas sur ce que j'avais appris des pharisiens, de cette sagesse d'en bas. Non. Moi, Paul, suis devenu fou. Pour avoir la véritable sagesse. L'ancienne sagesse que j'avais apprise, je l'ai abandonnée. Le Seigneur m'a lavé le cerveau. Il m'a nettoyé, il m'a purifié. Il m'a donné la sienne, la sagesse divine. Il me l'a répandue. Et je l'ai reçu. Avec l'intelligence divine. Avec la connaissance divine. Amen. Amen. C'est ça, frères et sœurs. Nous vous ont demandé d'ingo. C'est de cette façon-là que nous croyons. C'est pourquoi vous voyez les choses dont je vous parle. La prédication que je vous ai prêchée. La parole.
La parole que je vous ai prêchée. Parle. Par la parole que je vous ai prêchée. Tout ce que je vous disais là. Par ma prédication. Ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Mais cela avait son lieu de repos. Mais cela se reposait sur une démonstration d'esprit. Quand tu regardes, tu dis non, ça c'est pas un séminaire. C'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. C'est la démonstration de l'esprit. Et de la puissance divine. Tu pouvais remarquer que ma parole et ma prédication, tu ne veux pas voir la sagesse humaine dedans. Non. Et non, il n'y en a pas. Tu le vois, tu dis non. Mais mes camarades, mes condisciples. Voilà. Bongo. Ceux avec qui j'ai étudié. Il dit, mais ça, c'est parce qu'on a pris. C'est ça la démonstration de l'esprit. Et de la puissance divine. Et c'est la même chose. Pour moi, la même chose qu'il dit ici. Biso awana chapitre 12. Namokapo mwazomi na mibale. La manifestation de l'esprit. Komoni samango elimango. Ou la démonstration de l'esprit. To petali salipolele elimango. C'est ça frère. Ezali bongo bandeko. Et donné. Yango pesami. Pour l'utilité commune. Bona litomba ya banso. Amen. Amen. Oui, frère. Yo bandeko. Et il dit que cela. Alors bien, Teyango. Reposait sur une démonstration d'esprit. Et de puissant. Peyanguya. C'était pour une raison. Ezaki ponantina moko. Pour un but. Ponantina moko. Et voici la raison ou le but. Talanitinango. Avec votre foi. Natinete kondimo yabino. En croyant à ma parole. La kondime la kalo banangai. En mettant cela. Na kocha kango. À ma prédication. Na kondima kalite ya nangai. Votre foi. Kondimo yabino. Maintenant soit basé. Yango etongama. Soit fondé. Etongama. Soit édifié. Etongama. Non sur la sagesse des hommes. De likolo ya bwanya oya bato. Que j'avais apprise de Gamaliel. Mais sur la puissance de Dieu. Amen. 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 Vous savez, les gens qui avaient connu William Branham. S'il pouvait lire ça aujourd'hui. Ou s'il pouvait suivre ça par des bandes. Il verrait que ce n'est pas Branham qu'ils ont connu. Mais c'était la démonstration d'esprit et de puissance de Dieu. Parce que Branham, lui-même, de lui-même, il ne pouvait pas connaître ces choses. Il n'a pas pris ça. C'est l'esprit. C'est la puissance divine. Aujourd'hui, notre frère Walde Frank. Les choses qu'il nous prêche, ce ne sont pas des choses qu'il a prises dans une école. Frère Frank n'est pas comme Frère Branham. Selon la chair. Frère Branham n'a pas étudié. Mais Frère Frank a Frère Frank, lui, il a étudié. Frère Frank un fonctionnaire. Frère Frank est un haut fonctionnaire. Une alliance.
à l'alliance atlantique, à l'alliance atlantique qu'on appelle OTAN. L'OTAN qu'on veut brandir comptable, il était comptable fonctionnaire monnaie, haut fonctionnaire à l'OTAN. Lui-même dit que il connaît tous ses généraux. Il les connaît bien. Voyez-vous? Mais Dieu l'a appelé à bien gâtier en son service. Namosa la moyé. En son service. Il l'a appelé à bien gâtier dans son ministère. Katina Mosala yaye. Et il l'a placé Beatia Kiewana dans son œuvre. Katina Mosala moyé. L'œuvre de Dieu. Mosala Mwanzambe. Ce n'est pas l'œuvre de Frère Branham. Eza Mosala de Kobanam te. Ce n'est pas une œuvre américaine. Eza Mosala américaine te. Le message est l'œuvre de Dieu. Zango Ezali Mosala Nzambe. Les Américains confondent. Ba Américains ba ko. Ils pensent que c'est leur truc à eux. Ce n'est pas leur histoire. C'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu engage ses serviteurs. Est-ce qu'on n'a pas appris? Tu n'as pas appris les gens que Dieu a engagés dans son service. Il y a des captifs de Juda dans leur pays. Ils venaient de Babylone. Ils sont retournés dans leur terre. Les gens que Dieu a pris à son service. D'autres voulaient venir entendre. Nous allons travailler avec vous. Comment allons-nous travailler avec vous alors que vous n'êtes pas engagé? Qui vous a engagé? Tu m'as demandé la chair n'importe comment. Oh, bon, je veux qui prêcher. Qui vous a appelé? Qui vous a engagé? Dans ce service. Dans cette heure. Un magicien voulait s'associer aux apôtres. Magicien, moi, quand il y a qu'à s'engager dans la bantoma. Et il y a qu'à appeler sa bango kanyaka. Et il voulait le corrompre. Pour pas appeler sa yepe nguya. Pour que aussi lui la puissance. Il y a choqué à tiède, moto maboko. Il impose la main à quelqu'un. Et a tué ses disciples. Et la personne reçoit les saints. Nanambong et ango, on appelle ça. J'ai de l'argent à vous donner. Pierre et Lubine, na yonambong. Pierre lui dit, et toi et ton argent. Bobeba. Périssez. Et mon ami pour les Osa n'a pas arrêté Nalikamboy. C'est manifeste. Quand on a Mosalo, Osa Naliboulate, Osa Naninangote, tu n'en as pas. Yokamatali Kaboyanzambe, et Somba Manatalu Yambong Yo. Toi, tu veux faire qu'un don de Dieu s'achète à prix d'argent? Tala. Répands-toi. Ton cœur, malgré le baptême. Ton cœur n'est pas encore changé. Tu n'as pas encore regretté tes mal. C'est dans Actes chapitre 8. Lisez, vous trouverez ça là-bas. Voyez. Bomoni. Donc, c'est l'œuvre de Dieu. Gamaliel, l'éminent professeur. Gamaliel, Molaki Salokumwana. Un homme renommé parmi les Juifs. Il a donné à Pesaki au Sanhédrin le conseil. Et pas la paix à Likita, à Pesaki Bango Toli. Likita Yabampaka. Il a donné le conseil au Sanhédrin. Abi, attention. Abi Bokeba. Batu Bozo Monawana. Ces gens que vous voyez là. En réalité. Nabosolo. Ils ne peuvent pas dire ces choses. Ils ne peuvent pas faire les choses qui sont faites. Ce qui sort de leur bouche. Ce qui est fait par leurs mains. Ce ne sont pas eux. C'est Dieu. Alors, moi, je trouve que c'est une nouvelle entreprise. Prenons garde. Et cette entreprise
est divine. Ezaya nzambe. Et vous et moi ne serons pas. C'est impossible. Il y a qu'on détruit l'œuvre divine. L'entreprise divine. Non, nous ne pourrons jamais. Lisons d'abord. Je crois chapitre 5e. S'occuper quatrième. Cinquième. Omoni. Voyez-vous. On le fouettait. Vous le fouettez, non? Verset 29. On va trouver l'un du bois. Baebisi bango na verset 28. On va le voir. Verset 27, Tokokoban. Tout le monde est dans le sambo. Après qu'il les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Biso to peki saki bino te polele polele ko la kisakati na kombwana. Vous êtes comment vous autres? To peki saki bino. Polele. Nous vous avons défendu expressément. Si vous voulez enseigner, enseignez comme ça. Mais pour la kisakati na kombwana, Yesu Yesu Yesu. Mais n'enseignez pas ce nom-là, Jésus Jésus. Et avant même que les apôtres ne répondent, a fait remarquer Bango. Atali si Bango. Et voici. Petalani. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Boton d'ici Jérusalem na malakiso yabino. Et quand vous enseignez, n'entends vous pas quoi qui ça? Vous mentionnez toujours ces noms. Boza kotanga kaka komboana. Et en faisant cela, vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Oh, c'est nous qui l'avions tué. Ça, c'est une accusation. On est là. Vous nous accusez. Vous êtes confondu à biso. Pierre. Bételo. Et les apôtres répondirent à la question. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pointre. Et ce qui en a. Oui, réponse à des. Quel genre de réponse? Et si tu regardes bien. Pierre, oui, c'est Pierre avec ses frères. C'est le même Pierre. Le jour où on a arrêté Jésus, il avait renié au moins trois fois. Mais ici, il ne renie pas. C'est le même Pierre. Vous le connaissez bien. Qui avait juré, moi je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Mais cette servante, tu me cherches des problèmes. Maman, tu me cherches des problèmes ou quoi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Il y a beaucoup de gens qui voient comment je suis. Tu sais à moi que tu viens poser des questions. Oh, je vois comme si toi aussi tu étais avec lui. Hein? Tu étais de leur nombre. Femme, je te dis que je ne le connais même pas. Tu ajoutes encore, même ton langage t'accuse.
Que tu es avec eux. Tu es avec lui. Tu es l'un de ces gens. Ton propre langage t'accuse. Amen. Amen. C'est comme ça. Et quand on a tué le Seigneur, ils se sont dispersés. Ils sont allés se cacher. Mais ici, ils ne se cachent plus. Est-ce que c'est le même Pierre ou c'est un autre? C'est ce même Pierre-là. Mais maintenant, démonstration de l'esprit et de puissance divine. Il est revêtu de la puissance d'en haut. Il est baptisé du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Nous, c'est de cette façon-là que nous croyons. Et Gamaliel dit, Avaya loba, Pierre alobi, yena bantoma e. Et Pierre dit les apôtres, il faut obéir à Dieu. Et Seigneur Koto Sanzambe. Plutôt qu'à vous. N'est-ce qu'à Koto Sabino? Aux hommes, c'est-à-dire vous. Koto Bato Yoko Babino. Vous n'êtes que des hommes. Boza Nabino Kakabato. Personne parmi vous n'est dit. Mot côté Katina Bino Zalin Zambe. Dieu est dans les cieux. Zambe Azon Katina Lola. Il fait tout ce qu'il veut. Et il met et il mérite l'obéissance. C'est ce qu'il attend de nous. L'homme doit obéir son Dieu. Son créateur. Nous ne sommes pas vos gens. Ce n'est pas vous qui nous avez créés. Et vous et nous, le Créateur, c'est Dieu. Dieu nous a donné en ce nom-là. Vous, des hommes comme nous, vous allez nous interdire qu'on vous obéisse, qu'on n'obéisse pas à Dieu. Ça ne peut jamais se faire. Au lieu qu'il s'arrête là, il commence maintenant. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Il s'agit de quel Jésus? Que vous avez tué, vous. En face. Far à far. Bino. Vous l'avez tué. Bino bobo maki. Ezate ya kobatama. C'est pas en cachette. Oui, évidemment, bazawana. C'est eux qui sont là. Bangone babo maka ngolo. C'est eux qui ont tué le Seigneur. Non. Azuye bisaba tué. Il s'adresse au tueur. Des sanguinaires. Babomi. Vous l'avez tué. Bino bobo maki. Mais Dieu qui vous a créé. Parce qu'il zamba kala kibino. L'a ressuscité. Asekuisakiye. L'a ressuscité. Asekuisakiye. Ce que vous pouviez faire, c'était seulement de tuer. Et après quoi? Vous n'avez plus rien d'autre à faire. Mais regardez, Dieu a le pouvoir de tuer. Et de faire vivre. Il peut tuer, il peut ressusciter. Il peut détruire, rétablir. Il peut faire tomber quelque chose et le la relever. Il peut tout. Amen. Et puis, avant la mort du Seigneur, dans Luc chapitre 12, il leur a montré, c'est celui qu'il devait craindre. Voilà. Bongo. Celui qu'il devait craindre. C'est Dieu. Et Zalinzambe. Pas l'homme. Motote.
Ils ont reconnu que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs ici, avec tous ces éminents professeurs, ne sont que des hommes comme nous. Et celui qui est Dieu manifesté en chair, il nous a appris à craindre tout simplement Dieu. Pas l'homme, quel qu'il soit, malgré sa grandeur, car celui qui est à nous est plus grand que l'homme. Si vous l'avez tué et Dieu l'a ressuscité des morts aujourd'hui, par sa permission, vous pouvez aussi nous tuer. Et le même Dieu qui a ressuscité notre Seigneur nous ressuscitera aussi. Amen. Amen. C'est comme ça avec le même esprit. Sur eux, les trois Hébreux, en captivité babylonienne, avant de retourner à Shida, on a reconstruit le temple. Meshach, Shadrach et Abednego, ils n'ont pas craint le roi. Même son ordre. Balobagi. Ils ont dit, la mort, Liwa, nous sommes d'accord. De mourir. Au lieu d'adorer Daniel. Mais ici, on s'appelle Daniel. Non. Nous ne pouvons pas adorer Daniel. Tu recites qu'on s'appelle Daniel. Mais est-ce que c'est Daniel? Beaucoup demandent est-ce que c'est Daniel? Mais oui, c'était Daniel. Parce que Nzambe Ango, parce que le Dieu, Yamokoz, le Dieu du roi, Kombo Nango, son nom, Belshazzar, Belshazzar. Et ça Kombo, Bapesaka Daniel. Et c'est le nom qu'on a donné à Daniel. Bapesaka Kombo, Belshazzar. On lui a donné le nom de Belshazzar. Et ça Kombo Nzambe Yamokoz. C'est le nom du donc, Dieu. Donc Mokozabane comme on a Daniel Nzambe Nai. Ça dit le roi considérait Daniel comme son Dieu. Et que Kobasabaka Esake Kekoya Belshazzar. L'idole de Kekoya Daniel. C'était l'idole de Daniel. La statue de Daniel. Amen. Oui, vous. Oh, balinga mikatra. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, Pelelo, de véritables croyants, Bandimia solo, oui, de son esprit, bah, papa, kola, mene, limo, de l'esprit divin, mene, limo, yan, zambé, de l'esprit de Christ, mene, limo, ya, Christo, sur eux, li, kolo, na, bango, et en eux, kati, na, bango. Frères et sœurs, ils ne peuvent pas adorer la statue de Branham. Frère Branham a dit ceci. Dieu avait donné une prophétie des quatre royaumes. Et tous ces royaumes, ce sont des royaumes des nations. Du royaume des gentils. Du royaume des païens. Pas un royaume juif. Pas au royaume d'Israël. Et là, t'es Israël. Mais des nations. Y a bicolo, des païens. Y a pas canon. Et parmi ces quatre empires, na consumine, ces quatre royaumes, ma consumine, le premier oh, yale, a commencé par l'adoration d'un saint. Et bandaki, na lo sambo ya mosanto. Et les saints, pe mosanto ango, ce n'était pas le roi. Et là, qui m'ont consulté, mais c'était le prophète. Kachi, là, qui m'ont sacoli. Et celui qui était prophète, c'était Daniel. Et Zalaki Daniel. Et quand le royaume des nations s'achèvera, se terminera, il terminera par l'adoration d'un saint. Et les saints, ce n'est pas Pape ou à Rome. Monsanto, on va Pape à Rome. Lui, par la Bible, il est appelé le méchant. Et aussi, il est appelé l'antichrist. Et encore le faux prophète. Et pour finir, il est impie. Il n'est pas saint, il est impie. Voyez-vous cela? Et le royaume des nations, aujourd'hui,
Nous sommes justement dans le quatrième empire. Et le Seigneur Jésus trouvera ce quatrième empire. Même pendant son retour pour l'enlèvement, même pendant son ou sa seigneurie, quand il reviendra pour régner, mille ans sur la terre, il trouvera le même royaume. Parce que le Seigneur Jésus, il est le rocher. C'est la pierre qui était descendue sans le secours d'aucune main et qui a fait frapper la statue. C'est royaume. Croyez-vous cela? C'est de cette façon-là que nous croyons. Et bien aimé dans le Seigneur, le trois Hébreux, on dit Balobaki. Non, de. Pas question. Et quoi ça le matin? Bisoto Gumba Mera Mosantu te. Nous n'allons pas adorer un saint. Un saint au Gumba Mera. Nous n'allons pas adorer un saint, nous. Togo Gumba Mera, le saint des saints. Nous n'adorerons que le saint des saints. Celui qui est saint. Dieu Azali Mosantu Ango. Il est l'unique. C'est notre Dieu. Il mérite notre adoration. Notre louange. Nous lui glorifions. Parce qu'il est un Dieu de gloire. Père de gloire. Seigneur de gloire. La gloire lui appartient. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui l'adoration, même la sagesse, l'intelligence et la puissance, de maintenant, au siècle des siècles et à l'éternité, de toute éternité. C'est de cette façon-là que nous croyons. Ce n'est pas à nous, Seigneur. Mais à ton nom, ton gloire. Pas à nous. Pas à l'homme. Pas à Abraham. Pas à Daniel. Pas à Franck. Pas à Calon. Pas à Lilang. Pas à Iloko. Mais à Jésus. C'est le nom divin. C'est le nom de Dieu. Donne gloire à ton nom. Élève ton nom. Glorifie ton nom. Le nom que tu m'as donné. Et le Père avait répondu, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Voyez-vous cela? Amen. Nous, c'est comme cela que nous croyons. Et l'apôtre commence la prédication. Bentoma abandilitea. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué, pendu au bois, crucifié à la croix, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite. Par sa droite. Comme un prince. Le cola mon conseil. Et sauveur. Ben mon pic ici. Il est le prince des princes. Asa mon conseil ngaba conseil. Le roi des rois. Mon conseil ngaba conseil. Le seigneur des seigneurs. Kolo na bankolo. Le dieu des dieux. Zambe ya banzambe. Il est le sauveur. Yende mon pic ici ango. Car il vous aime aujourd'hui. Il bino lelo. Il vous aime aujourd'hui. Il vous est né aujourd'hui dans la vie de David, un sauveur. On l'appellera Jésus. Il s'est élevé. Il s'est élevé. Il s'est élevé. Et puis nous, il était fermé. Pendant qu'il nous bénissait. Et puis on regardait sur la terre. Et finalement, on a senti que il est monté. Il
Il était élevé, il s'est élevé, il s'est élevé. C'est comme nous avons ouvert les yeux pour regarder qu'est-ce qui s'est passé. Et puis nous l'avons vu qu'il montait devant nous. Et il allait, il s'en allait au ciel. Et des anges nous ont apparu. Ils nous ont dit, pourquoi regardez-vous au ciel? C'est Jésus qui est élevé du milieu de vous. Vous le verrez. Quand tu reviendras de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Croyez-vous ceci? Croyez-vous cela? Amen. Et nous les verrons tel qu'il est. Et en un instant, nous serons changés. Et nous serons semblables. En ayant cette espérance en nous, prononçons et conjuguons ces verbes. Verbe se purifier. Au pronom personnel. Voyez frère, je me purifie moi-même. Comme lui-même est pur. Purifions-nous. De tout péché, de toute fausse doctrine, de toute incompréhension, de toute interprétation humaine. Mais croyons la pure vérité divine, la pure parole de Dieu, la sainte parole du Dieu saint, la vivante parole du Dieu vivant, l'éternelle parole du Dieu éternel. Amen. Nous, c'est comme cela que nous croyons. Oui. Yo. C'est comme cela. Nous en sommes témoins de ces choses. Et nous ne sommes pas seuls à témoigner. De même que nous connaissons notre témoin qui nous a fait que nous témoignions le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Même aujourd'hui, il continue à donner à ceux qui lui obéissent. Et si vous gardez mes paroles, si vous gardez mes commandements, moi je prierai le Père et vous donnerai notre consolateur. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que ça plaît? Est-ce que c'est clair? Donc c'est de cette façon-là. Il leur a dit de ne pas aller prêcher, mais de demeurer dans la ville, de rester dans la ville, jusqu'à ce que le vrai témoin arrive. Le véritable témoin, c'est le Saint-Esprit. Voyez frère. Et quand le vrai témoin viendra sur vous, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance divine. Ça sera votre revêtement. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et en ce moment-là, vous serez mes témoins. Commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous dis encore, vous êtes mes témoins. Et nous disons aux témoins de Jéhovah qu'ils cherchent autres écritures. Ce n'est pas Luc 24. Et plus question, acte 1, verset 8. Parce que les deux écritures concernent Jésus. Vous serez mes témoins. Celui qui a dit ça, ce n'est pas leur Jéhovah. C'est notre Jésus. Vous serez mes témoins. Et ils ne veulent pas être les témoins de Jésus. Ils veulent être des témoins de Jéhovah. Et Jéhovah n'a jamais prononcé de telles paroles.
C'est ce que j'avais répondu à un témoin de Jéhovah. Dès lors qu'on a un témoin de Jéhovah, moko. On dit, vous ne cherchez pas les paroles de Jésus. Seulement celles de Jésus. Jésus, vous serez maître. Yes, seulement qui beaucoup à la bataille, on lui parle. Mais pourquoi ne voulez-vous pas être ce témoin? Vous dites que Jéhovah et Jésus sont deux personnes. Vous êtes des binitaires. Des idolâtres que vous l'êtes. Mais pourquoi Bolingi ko s'accrocher na ba écriture ya Jésus? Si ko pona ni boko linga komika nga ko kanga mana makomi ya Yesu. Ya maloba na ye. Ces paroles. Le témoin de Jésus c'est nous. Batemo ya Yesu ezabiso. Et nous le prêchons. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Il est le noyau du message. William Branham a prêché Jésus. Ewald Frank le prêche. Oui, Ewald Frank à côté. Tous les vrais ministres prêchent Jésus. Les apôtres l'ont prêché. Voyez, frère. L'évangile lui concerne. Il est le noyau même. Il est le pivot du message. Du message du salut. Jésus-Christ notre Seigneur. Et notre Dieu, c'est toujours lui. C'est notre sujet d'adoration. Amen. Amen. Oui, nous en sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné et qu'il continue à donner à ceux qui lui obéissent. Qui obéissent à sa parole, qui obéissent à sa voix. Pas qu'il croie tout simplement. C'est les deux choses à la fois. Croire et obéir. Croire et obéir. Il faut croire et aussi obéir. Celui qui croit doit aussi obéir. Celui qui a la foi a aussi l'obéissant. Et l'apostolat a été donné pour amener tous à l'obéissance de la foi. De vrais croyants obéissent. De faux croyants ne sont que des croyants d'élèves. Ce sont des désobéissants. Des vrais fils de Dieu, des vrais enfants de Dieu obéissent. Ceux qui prétendent être des enfants de Dieu et qui ne le sont pas, et nous les avons trouvés menteurs, ils n'obéissent pas. À sa voix, non. À sa parole, non. À son évangile, non. À son message, non. Ce sont des incrédules, des rebelles, comme Caïn. Amen. Amen. Oui, frère. C'est comme cela que nous croyons. Maintenant, suivez. Quand il a dit cela, ah, ils étaient fâchés. En tout cas, finalement, ils devaient se fâcher. Parce qu'une telle clarté. C'est ce que le school disait. Bomba, bomba. Caché, caché. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Na sakola. Que je déclare. Ah, wa babale ko bomba lisu. Ici, il ne cachait plus. Ba bombola kiango. Ils ont tout dit. Ba sakola kiango. Ils ont tout annoncé. Ba loba kiango na polele. Ils ont dit clairement. Furieux de ses parents. Kosili kaka na tina maloba wana. Il voulait les faire mourir. Ba linga ki ba bomisa bango. Ndenge ba bomaka leur maître. Ndenge ba bomaka kolona bango. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna, donna l'ordre de faire sortir un instant les apôtres. Il dit faites-les sortir un instant. Faites-les sortir d'abord. Ce que je vous dis comme conseil, il ne faut pas qu'ils soient présents. Qu'ils sortent un peu.
On les fait sortir. On les a fait. Babimisa Kibango. Et Simon Rubimisa Bango. Après les avoir fait sortir. Puis il leur dit. Nasi Malobina Bango. Homme israélite. Mi Bali à Israël. Et à Maloba, docteur. Ça, c'est dans les paroles. Docteur, les docteurs ne parlaient pas vite comme nous. Bango, Babi, quoi articuler Bamo. Eux savent articuler les mots. Puis il leur dit. Nasi Malobina Bango. Homme israélite. Mi Bali à Israël. Prenez garde. Bosala keba. Ce que vous allez faire. Ne loko bolingi bosala. À l'égard de ces gens. Nantina batoyo. Prenez garde. Bosala keba. Ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Ne loko bolingi bosala nantina batoyo. Ka. Jambi. J'ai observé des événements. Ngana tali makambo nenge kolekana. J'ai observé. Natala ki. Les événements. Makambo. Il n'y a pas longtemps. Et le Kintango Mouraïté. Que Paris te dasse. Et Mounana qui te audace. Qui se donnait pour quelqu'un. Ouais, Zara qui commis pèse à l'Okola Motomogoboy. Et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Et pas Inaïe, Mikangisa qui pène bato, Kamaminei. Bakangana qui naïe. C'était lié à lui. Mais Kas. Il fit tuer. Théodas son abo mama qui? Comme on a tué c'est Jésus. Kaka lokola abo mama qui est soi. Théodas fit tuer. Théodas abo mama qui? Et tous ceux qui l'avaient suivi. Na bay banso balanda qui? Furent mis en déroute. Ba palanga na qui? Réduit à rien. Pe ba bazala qui soit le côté. Ba ye sama qui n'en pamba. Réduit à rien. Rien, rien du tout. Et l'eau quoi tel comme. Et l'eau au goût tata là comme. Aujourd'hui vous ne trouverez rien. Même leur temple n'existe plus. C'est déjà écroulé. C'est moi qui l'ai dit. Nande na koyeb sango. Ougoutata adepte mon côté. Bandimignon soan. Tous ces adeptes là. Apalangana. Sont mis à déroute. Et yambango et zakalisute. Cette religion. Et yoga nakalisute. On n'entend plus parler de cette religion. C'est un événement. Les alikamo. Oui, bimaka di boso. Qui est paru. Il y a événement actuel. Avant cet événement. Après lui, Simanaye, Paris Judas, et Bimaki Judas, pas Iscariot, mais Iscariot était, mais les Galiléens, Kasimo Galiléa, malgré que Judas Iscariot lui aussi était Galiléen, attaque au Judas, Iscariot était pas Kasimo Galiléa, un homme de Judas, Motomoka Judas, après lui, Paris Judas, le Galiléen, Galiléa, c'était à quelle époque, c'est ça qui m'entend. À l'époque du recensement. Nantango alitangi ya bato. Et il attira du monde à son parti. Pe a benda ki bibele ya bato na etonga na ye. Il a fait créer un parti. Akela ki parti moko. Il était un président d'un parti. Azala ki président parti moko boye. Il attira beaucoup de gens. A benda ki bibele ya bato. À son parti. Na parti na ye. Judas. Judas. Le Galiléen. Mon Galiléen. Il y périt aussi. Il est pas à Koufaki. Lui aussi fut tué. Il est pas bon Mamaki. Et tous ceux qui l'avaient suivi. Et bah, Ebanso Balanda qui est. Après sa mort. Nassima Liwanaye. Furent dispersés. Papa Langani Samaki. Les logos Koutana Moutoumarote. Aujourd'hui, vous ne trouverez personne. Si tu essaies de poser la question, tu étais croyant de Judas, hein? Disciple de Judas. Je n'ai jamais connu cela. Je n'ai jamais connu. Ce sont des événements. Ça m'a cambo. Mais après, et tous. Un nommé Jésus de Nazareth. Lui aussi fut à Paris. Récemment ici. Galatée. Mais tout le monde. Allez à lui. Mais même ceux qui avaient suivi Jean le Baptiste. Balanda qui en ont baptisé. Ont quitté Jean Baptiste. Batika qui en ont baptisé. Ils sont allés à Jésus. Bakenda qui est pas na Yesu. L'ont suivi. Balanda qui est.
nos églises mises en pièces. Nos synagogues mises en pièces. Les croyants nous ont quittés. Ils sont sortis pour les suivre. Et nous l'avons saisi. Et nous l'avons tué. Mais il a fallu que. Il a fallu que l'histoire se répète. Comme ça s'est fait avec les deux là. Mais où il y a mis ça, toi? Mais ce troisième ici. Ça ne s'est pas passé comme ça, c'était passé avec les deux. Ses adeptes. Balembite. Il ne se fatigue pas. Batikate. Il ne lâche pas. Au lieu qu'ils s'arrêtent au nombre qui les a laissés. Le premier jour. Ils étaient 120. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Le même jour, Babakisami 3000 âmes. Le même jour, 3000 âmes se sont ajoutées. Au jour, les jours, ils s'ajoutent. La religion ne fait qu'aller de l'avant. Compagnie ne fait qu'aller de l'avant. Société cette société ne fait que prospérer. Cette entreprise ne fait que prospérer. Et maintenant, mais ça et puis, je vous le dis. Ne vous occupez plus de saison. Et maintenant même, Jordan, de les laisser aller. C'est moi, Gamaliel, qui vous dit. Ne vous occupez plus. Ne vous tracassez plus. De ces hommes. Et laissez-les aller. Pourquoi je vous dis ça? Si cette entreprise. Ce qui est entreprise, l'œuvre de Dieu, c'est une entreprise. Si cette entreprise. Ce qui est entreprise, ou cette œuvre. Vient des hommes. Et où tu n'as pas tôt? Comme l'entreprise de Théodas. L'entreprise de Théodas. Comme l'œuvre de Judas le Galilée. Toutes les deux. Étaient venus des hommes. Et Outaki était venu des hommes. Voyez frère. Voyez mes amis. Mais si cette entreprise ou cette œuvre ou ce ministère, ce service. Vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, si l'entreprise est divine, si la société est divine, si l'église est une institution divine, vous ne pourrez la détruire. C'est impossible. Ne vous courez pas le risque. D'avoir combattu contre Dieu. Le PDG de l'entreprise. PDG à l'entreprise, oui. Est-ce que ça plaît? Est-ce que c'est clair? Dieu est le PDG. Zambazali PDG. Ne courez pas le risque. Bozoate likama. D'avoir combattu. Il y a aussi la si vous voulez combattre. Je veux dire combattre ça. Pour combattre, bien qu'on y soit. Combattre toutes ces choses là. Mais pas cette entreprise. Qu'est-ce que mon salaire? Pas cette. Mon salaire. Non. T'es. Pas cette église. Église à Oyoté. Ce que vous appelez aujourd'hui secte. Et le combien gagne l'eau et ton gars bateau. Ne combattez jamais ces sectes. Bobundi, ça sera mon quête ton gars. Laissez cette entreprise. Tika église. Laissez cette église. Tika lingombo. Laissez cette église. Tika batouana. Laissez ces gens. Vous courez le risque de combattre Dieu. Mais vous ne saurez pas combattre Dieu. Asini sabino abomabino. Il va vous exterminer, il va vous tuer. Azanzambe. Il est Dieu. Babunda ne combat pas contre lui. Il y a une femme qui a menacé l'homme de Dieu. Il lui a dit, moi,
Je te combattrai. Jusqu'à détruire ton œuvre. Cette œuvre sera détruite. Mais aujourd'hui, l'œuvre a prospéré. L'œuvre a prospéré jusqu'ici. C'est la même œuvre ici. Oh, elle avait dit qu'elle combattrait, qu'elle détruirait. Et heureusement, en le menaçant, et elle a dit, si c'est l'œuvre de Dieu, ça va. Mais ici, il s'agit de ton œuvre. Je la détruirai. Et comme elle n'a pas pu la détruire, c'est la confirmation que c'est l'œuvre de Dieu. Et celui qui a commencé à vous cette bonne œuvre l'achèvera pour le jour de Jésus. L'amènera à la perfection. Tu n'étais pas frère Franck, ni frère Branham, ni frère Calonge. Beaucoup même ici pensaient que, à la mort de frère Calonge, cette œuvre sera détruite. Non, c'était l'œuvre de Dieu. Et personne ne pouvait la détruire. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut la détruire. Et personne ne pourra la détruire. C'est la plante que le Père de Jésus-Christ l'a plantée. Et personne ne peut la déraciner. Croyez-vous cela? Amen. C'est de cette façon-là que nous croyons. Voilà, frères et sœurs. C'est comme cela. Il dit, laissez-les. Qu'ils s'en aillent. Évitons les risques. Nous courons les risques maintenant. Il y a qu'au combattre contre les tiens. Nous ne saurons pas d'ailleurs. Laissons. Il est des gens qui cherchent à combattre l'œuvre de Dieu. Il y en a beaucoup. Bazébélé. Même l'œuvre de la distribution. C'est l'œuvre de Dieu. De la nourriture à magasin. L'œuvre d'aller de nation en nation, de ville en ville. C'est l'œuvre de Dieu. C'est pas l'œuvre d'un homme. Quel est ce président dans roi? Quel est ce roi qui a voyagé? Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu lui-même a pourvu. A pourvu pour tout. Même Nambongo. Même pour l'argent. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Message, ce que ça a fait, Branham. Si le message appartenait à Branham, il serait mort il y a longtemps. On aurait déjà oublié. Mais aujourd'hui, il y a toujours neuf. Toujours neuf. Parce que c'est un message de Dieu. C'est pas un message d'un homme. Amen. Amen. L'évangile de Dieu. On a tué les apôtres. Mais l'évangile a continué. Les disciples sont morts. Mais l'évangile a continué. Les hommes et les femmes ont versé les mains. Mais l'évangile a continué. Aujourd'hui, nous n'est pas réveillé. Ce n'est pas l'évangile des hommes, c'est l'évangile de Dieu. Amen. Amen. C'est de cette façon-là que nous croyons. Et Moussala y a reconstruction. Et l'œuvre de la reconstruction. Nous venons d'entendre ce matin. Quand les enfants de Juda revenaient de Babylone. Ils ont reçu les ordres de la part de pour reconstruire le temple. Pour reconstruire le temple. Frères et sœurs. Bande de Waspemban. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaac Moussara Yanza. C'était l'œuvre de Dieu.
Mais Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. À la Moussa qui est lui-même Cyrus. Ce n'est pas Cyrus lui-même. C'était Dieu qui avait réveillé son esprit. Pour ça, la décret, Oana. Afin que Cyrus fasse ce décret-là. Qu'ils aillent reconstruire le temple. Tempelo. Il faut connaître ça. La maison de Dieu qui est à Jérusalem. Dans ce lieu-là, choisi par Dieu lui-même pour y faire habiter son nom. La parole de Dieu est merveilleuse. Et aujourd'hui, nous qui étions dans la captivité babylonienne, selon Apocalypse 18, il y a une voix qui est venue du ciel qui nous a adressé un appel à sortir de Babylone. Et nous sommes sortis en entendant cette voix qui nous a appelés à sortir comme ces enfants-là de Judas. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Ils sont reconstruire temple. Pour reconstruire temple. Mais si Yahvé ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Car Yahvé est devenu Jésus. Et c'est pourquoi lui-même a dit dans Matthieu 16, sur ce rocher, je bâtirai ma maison. Je la bâtirai. Je la construirai. Sur le fondement solide. Sur le rocher d'âge. Amen. Amen. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elles. C'est impossible. Malgré la guerre, malgré le combat, malgré l'opposition, malgré la destruction, ils ne sauront pas détruire l'église. Parce qu'ils ont entreprise divine. C'est une institution divine. Dieu a institué son église ici par l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Voyez frère, le même Dieu achèvera son institution, son temple, par l'effusion du Saint-Esprit. Et la première effusion était appelée la pluie de la première saison. Et la dernière effusion sera appelée la pluie de l'arrière saison. Et les deux pluies tomberont ensemble. Amen. Amen. Les deux à la fois, mais deux ensemble. Pour magnifier. Vous voyez frère, la seconde maison, le deuxième temple, afin que la première gloire soit l'inférieure à la seconde. La gloire de la première temple est inférieure. Na gloire et à second temple. Parce que le second temple qui est en train d'être reconstruit, gloire nango et qu'on y a double. Koleka ya premier temple. Parce que les deux pluies tomberont ensemble. Amen. Amen. Est-ce que ça pour les... Est-ce que c'est clair? Nous sommes aux demandés bon. C'est de cette façon-là que nous croyons. Et bato baringai ko sangana na musala wana. Et les gens qui voulaient prendre part à ce travail-là. Oyebilité andeko na biso Jean-Pierre Kalala. Vous connaissez la prédication de notre frère Jean-Pierre Sambala. Sambala. Na Tobija. Et Tobija.
Sambala na Tobija. Sambala et Tobija. Balinga kite basangana. Vous ne le prendrez pas. Pour la reconstruction du temple. Pour la reconstruction du temple. Et les serviteurs de Dieu, si nous travaillons, c'est parce que c'est Dieu qui nous a engagés. Nous n'avons pas engagé. C'est Dieu lui-même qui nous a engagés. Si nous n'avons pas pris nos neveux, nous n'avons pas pris les enfants, pas les neveux, pas les enfants paternels, pas les amis et connaissances. Nous sommes ici chacun. Il a reçu la paix de Dieu. Et nous a rassemblés en tant qu'un seul homme. Car l'union fait la force. Pour que l'œuvre aille de l'avant. Nous ne travaillons pas l'autre s'opposant à l'autre. Non, mais c'est la main dans la main. La main dans la main. Nous travaillons ensemble pour la même cause. C'est la cause de Dieu. Amen. Amen. C'est comme cela que nous croyons. Et aujourd'hui, l'histoire doit se répéter. Tout celui qui a reçu un appel authentique. Oh, nous sommes pas qui me belle à solo. Attention que Zaki n'a voix audible. Appel et à voix audible. Et puis ça m'a gagné basali basu. N'est pas donné à tous les ministres. C'est mal comprendre les écritures. Et là, qu'on soit sur la mabé m'a commis. N'est pas donné à tout le monde. Est donné à une seule personne. Mais les autres travaillent ensemble. Avec celui qui a reçu. Avec celui qui a reçu l'appel de la voix audible. C'est ça. Et on n'exige pas à tout le monde d'avoir cet appel-là. Les gens que vous avez entendus vous raconter, j'ai entendu la voix audible et Batula Yango. Bon, c'est pas de quelle manière le dire autrement. Ils ont fabriqué. Batula Yango. Ce que Bayoka. S'ils ont entendu. C'était pas dit. Et Zala qui n'a pas embêté. Je vous dis la vérité. Mais ça va être Sabino Solo. Pensez-vous un exemple dans la Bible. Donnez-nous un exemple dans la Bible. Il faut mon quoi longo. Il faut que quelqu'un puisse parler. Mon quoi l'un. L'un. L'un quitte. Mon quoi longo. L'autre remplace. Mon quoi longo. Mon soi qui t'a dit. Et ça, les alcabongo. Mon quoi longo. Josué. Tu diras où il soit. Mais c'était après la mort de Moïse. Il y a un gosse qui n'a pas dit. Josué a entendu la voix audible. Yo soi yo kaki mongongo polé la matoye. Après la mort du serviteur de Dieu. Moïse. Dieu lui a dit, Josué fils de Nun, mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi. Croyez-vous cela? Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, quand ils sont voix audible, mon toyo a yoko voix audible, azana nous à l'œuvre. Toi, tu entendras une voix audible, alors que la personne qui a entendu la voix audible. Vous avez qu'au travail, nous n'y sommes pas. Yé, on a voix audible, on a voix audible. L'autre avec la voix audible, l'autre. Yé, ben abeille disolo, le voix audible. L'autre raconte sa voix audible. Yé, osako bento ya yo voix audible disolo d'ailleurs. Toi aussi, tu parlais de ta voix audible. Tikabiso biloko wa. Arrête nous ces histoires là, mon cher. Donc on est yokanda waté. Toi, tu ne vas pas. Toi, amen. Nazo yokango te. Amen. Amen. Pas raconter ces histoires dans cette assemblée, pas ici, pas ici. Bon, balingi ango bazali kende. Il y en a qui veulent ça, allez, va vers eux. Pas ici, ces histoires-là. Tu te caches avec ta voix. Moi aussi, j'ai entendu une voix audible. Pour ça, la nine. Pour faire quoi avec? Ton mandat là, c'est pour faire quoi? Frère Branham, vous avez voix audible. Frère Branham, entendu la voix audible. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste. Vous préparez ma première venue. Tu es envoyé. Ou tu seras envoyé avec un message qui préparera ma seconde venue. Voilà.
Frère Franck a entendu la voix dit. Mon serviteur a magasiné la nourriture. Et après tout, cette voix lui a dit, mon serviteur, ton temps est terminé dans cette vie. Je t'enverrai de ville en ville pour prêcher ma parole. C'est ça. Makamboyo mo kengelio nzambe atela yo ateya kayango ndingo wanate kondima yango te le pastor les choses que le pastor toi yep pembeni ko betero risolo lo ba frère batera makam no wana pona si quelqu'un vient en cachette et raconter cette histoire là dit lui mon frère cache ces choses garde ces choses kende na no kote ya motoyo nzambe atia te kangai va d'abord le prêcher à la personne que Dieu a établi pour moi. Pas à moi, pas chez moi, pas chez moi. Il ne faut pas prêter l'oreille. Il ne faut pas. Et bon. Je pense que c'est clair. Omoni. Wevo. Maintenant, Sigoyo. Le corps Zoto. Le plus malade. Zoto eko bela koleka. Le connaissez-vous? Boye biango. C'est lequel? Les anzotonini. C'est l'église. Les alliés ecclésia. Qui est le corps? Les alliés zoto. De Jésus. Qui a Jésus Christ? C'est la Bible qui en parle. Bible en des écoles barantine nango. Yango yo. Ça se trouve ici. Bisous d'ogoyo kotongate. Nous ne pouvons pas construire la maison des gens. Vous voyez les frères là-bas, on refuse. Nous ne pouvons pas construire avec vous, nous. Nous ne pouvons pas construire avec vous. Nous ne connaissons pas votre ordre d'émission. Quand est-ce que vous avez été engagé? Ésaïe chapitre 1er. Isaïa Mokapo Mayambo. Il est écrit ceci. Au verset 5. Mon Dieu Zambé dit ceci. Ah oui, ah oui, bon. Mais quel châtiment nouveau vous infligez? Bito monini asika nakobeta bino. Beta beta boyoka. On châtie, vous n'écoutez pas. Châtier boyoka. Mais quel châtiment nouveau vous infligez? Nanini. Par quoi? Mais c'est quand vous multipliez vos révoltes. Vos rébellions. Vos désobéissances. Mais regardez comment vous êtes devenus. À cause de la multiplication de votre révolte. La tête entière est malade. Tête entière. C'est pas d'un seul côté. Des maux de tête, ou mal à la tête. Passez la moto. Deux fois, et vous à la côté. Des fois, ça peut être de ce côté ici. Seulement de ce côté ici. J'ai très mal de ce côté ici, seulement. Ou bien, quand à côté. Ou seulement de ce côté ici. Ou bien, quand. Ah, on a ou seulement la nuque ici, à la nuque. J'ai très mal ici. Top, ah, Nassan, il y a moto. Ou au milieu ici. Eh bien, malgré la moto. Aïe. Ça tape, ça frappe. Mais, ah, à l'obi. Il dit ici. La tête tout entière. Moutou na mobimba. Eh bien là. Et malade. Et tout le cœur est souffrant. Et Zakobela. Motema mobimba bozo nyonga mamozo nyokwamba. Tout le cœur est souffrant. Oh, le cœur. Le cœur souffre. Le cœur. Le cœur souffre. Très mal au cœur. Le cœur. Tout entier. Na mobimba. Est souffrant. Et Zakobela. Tant
Quand je regarde, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Depuis plante à pied, ou depuis la plante du pied, jusqu'à la tête, tout l'entier du corps, tout le corps entier n'est en bon état. Des plaies partout. Vous pouvez faire que je me suis blessé. Donc, là, je passe dans le genou. Où j'ai mal au genou. Mais alobi, il dit, de la plante du pied ou ta plante à l'ocolo, jusqu'à la tête, qui non a moutou, rien et l'autre côté, n'est en bon état. Et je me dis que tu as s'il n'y a rien et les ongles, na misapi, et les orteils, les na mipende, et les cuisses, na batalon, et les talons, na mabolongo, et les genoux, na bajambe, et les jambes, na luketo, et les hanches, na mukongo, et le dos, na libumu, et le ventre, na michopo, et les entrailles, na motema, et le cœur, na ba poumon, et les poumons. Rien n'est en bon état. Et l'eau comme au côté de la langue à madame. Bon, ce n'est pas en bon état, c'est quoi? Alors, mais ce ne sont que deux, ce ne sont que blessures. Ah, mais, pota. Ce ne sont que blessures. Contusions. Et plaies vives. Yasika sika yasika ba poto yasika vive soko tali boye des plaies vives et ça y a calaté oh yauti ko jokaka ça sont pas des donc on dit chaque jour quand ba poto zo bibira chaque jour tu fais des plaies tu n'as que des plaies chaque jour des plaies qui s'ajoutent ma fina na ma fina de la pub partout ah oh là là et il dit allo bi ba potango ces plaies vives là qui n'ont été ni pensés. Oh yo, ils sont quoi m'a quitté? Donc, ça, les pansements. On n'a pas fait de pansement. Ce que porte à c'est un pansement. Quand on ne fait pas de pansements sur la plaie, ça sent. Hein? Ça dégage maintenant l'odeur puante. Ni bandé. Batiango bandage te. Batiata babande te. Mèche na kadite. Ni bandé. Ni adouci par l'huile. Et tu as marqué pendant ma foute à terre. Et ça l'a daqué. Que ce soit le daquin. Et ça l'a mercurochrome. Le mercurochrome. Bati à terre et l'eau morote. On n'a rien appliqué dessus. Même pénicilline est liquide. Bati à terre. On n'a rien appliqué. Pote et tigaraga n'ego. La plaie restait telle qu'elle est. Nous sommes mobiles. Tout le corps. Église et ensemble. L'église des dieux. Voyez, frère, c'est l'État. Dans lequel se trouvait l'Église. C'est l'État où Ekutamaka Église. C'est l'État dans lequel se trouvait l'Église. Mais, Kass, dans Jérémie, Katina Elemia, au chapitre 8, Namokapo Mwamwambe, Totangi Boy, nous lisons ceci. Nous lisons ceci. Alobi. Il dit. Verset 21. On va trouver dans mon corps. Je suis brisé. Gaina Bukama. Par la douleur. N'en passe. De la fille de mon père. Yamona moi si Ali Botoliangaï. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. Somo et Kangingai. Ah, Ngaïlimia. Oh, Jérémie. Ngaïlimia. Moi, Jérémie. Et Jérémie dit. Jérémie Alobi. Ce que mon nez n'a brisé par la douleur. Si tu me vois brisé par la douleur. Et sa douleur, il y a fille de mon peuple. Et Zalim Passi, il y a moi, Chali Botan. Ce que nos amis n'a qu'à de la tristesse. Si je suis dans la tristesse. Na épouvantail, na épouvante. Na somo kanyingai. Ezande nantina ya mwana mwasi wana. C'est à cause de cette fille-là. C'est quoi, motru na ngai ngoyo? Voici maintenant la question. Abela boye pona nini? Pourquoi est-elle malade comme ça?
N'y a-t-il pas de baume en Galate? Qui s'y engage en mission comme que t'es en Galate? N'y a-t-il point? Les hommes qui s'est N'y a-t-il point de baume? Baume. Qui s'y? Na Galate. Na Galate. Remède. Qui si? Na Galate. Na Galate. Médicament. Qui si? Na Galate. En Galate. Et jate. Il y en a point. Et zo amandete. Il y en a point. Et donc ils ont zangé zanenkis. Qu'est-ce qui marque? C'est le bombe, les remèdes. N'y a-t-il point de bombe en Galate? Qui ces hommes sont moqués de Katina Galate? Ça c'est la première question. Voilà, la deuxième. Moutoune balé. N'y a-t-il point de médecin? Mouzoumoung en hommes sont moqués. Donc, qui si? Azate. L'homme, il n'y en a pas. Docteur. Azate. Il n'y a pas de médecin. Na Galate. En Galate. Pourquoi? Comment? Que le corps puisse souffrir comme ça. De la plante du pied. Qui nous na tête. Qui nous na moto. Nyozo babota na babota. Tout de plein. Et là, il n'y a rien d'intéressant. Aucun membre qui soit en bon état. Pourquoi ça? Moi, Jérémie, je suis brisé. À cause de la douleur de la jeune fille de mon peuple. Cette fille de son peuple. C'est la vraie église. Et c'est l'église où il y a solo. C'est la vraie église. Et c'est l'église où il y a solo. Bien aimé. Qui s'inde zangi? Le médicament manque. Pour zanga kobiki sama. Pour qu'elle ne guérisse pas. Sogon qui s'ezali. S'il y a le médicament. Bon, mon grand azate. Y a-t-il point de médecin? Pour traiter yé. Pour qu'il puisse la traiter. Pour soigner yé. Pour qu'il puisse la soigner. Pour passer yé na ba examen. Pour qu'elle fasse pas, qu'il la fasse passer aux examens. Pour tester yé. Pour la tester. Pour prescrire yé médicament. Pour qu'il lui prescrive le médicament. Et ce qui les deux choses. Ce qui bloque une balouana. Et ça la remet. Et ça la kiss. Et jali. Yana. Et là, médicament, et là, médecin, et là, munganga. Adjali, il est là. Mais pour la nuit, ils ont souffert, boy. Pourquoi alors elle souffre comme ça? Est-ce que c'est la faute du médicament? Est-ce que c'est la faute du médicament? Est-ce que c'est la faute du médecin? Et c'est la faute du médecin? Est-ce que nous avons bendé à Zate? Et c'est Dieu qui n'est pas là. Nous avons bendé à Zate. Le Seigneur Jésus n'est plus. Est-ce qu'il y a Tindi Basalité? N'a-t-il pas envoyé des serviteurs? Basakoliba même sangoté. Le messager, le prophète n'a pas porté. Est-ce qu'il y a Tindi Basalité? La parole n'a-t-elle pas été envoyée? Tindi Basalité? Il leur envoie la parole. Et elle est guérie. Est-ce qu'il y a Tindi Basalité? N'a-t-il pas envoyé la parole? Mais s'il si envoie la parole. N'a-t-il pas envoyé la parole? Par un prophète. Batei Basalité? Le prédicateur. Mais il la prêche. Mais pourquoi une guérison au salamate? Mais pourquoi la guérison ne s'opère-t-elle pas? Mais faut y qui si? C'est la faute du faute produit, du docteur, la faute du médecin, ou faute du malade, ou la faute de la malade. Si quoi mon ami, c'est la faute du malade. Maintenant on voit que c'est la faute de la malade. Malade, alingi nae kozwa kisite. La malade ne veut pas alingi komelete. Elle ne veut pas boire. Frère Branham a dit dans sa prédication le mariage et le divorce. Devant ma bicatalité, nae libala pe koma libala. Dieu a donné à l'homme de la terre. Zamba pesa kina moto mabele. Le remède. Qui si ango? Pour se débarrasser du péché. Il lui a donné bombe. Le médicament. Ici. Pour se débarrasser d'un péché. Mais l'homme de la terre ne veut pas accepter le médicament de Dieu. Le remède de Dieu. À ce sujet. Il ne veut pas. C'est la faute de l'homme. C'est la faute des croyants. C'est la faute des auditeurs. Ils ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas croire. Non. Il refuse. La parole est prêchée, il refuse. Il a exagéré lui aussi. On en a marre avec ses prédications. Maintenant, que doit-il faire? Remède. Le remède vient. Yo, je vais comprimer. Toi, tu prends des comprimés. Docteur, appelle ça yo. Le médecin te donne les. Pesa, pesa, baki ça. Donne les médicaments, docteur. Pesa, kasi. Donne alors, non. Pesa, kasi. Donne alors. Ok, là, repose, ne veux pas y amonga. Tu attends ça. Mais ça coûte une alimentiate. Sans respect. Et ben là, qu'est-ce que tu veux? Beaucoup de médicaments. Ah, donne. Donne alors, donne.
J'en ai marre avec tes produits. Je ne prends même pas ça. Pèse-la, pèse-la. Je ne bois pas. Donne, donne seulement. Donne. Tu jettes dans le sac pour. Et il a. Tu arrives à la maison. On mérite. Tu ne bois pas. Tu apprends que maman est malade. Yaka, docteur, viens, viens. On m'a prêté des médicaments ici. Viens. J'ai des comprimés ici. Viens, viens. Tu donnes à maman les. On peut si tata moi. Tu donnes à la tante. On peut si maman kuru. Tu donnes à. Mais yomoko. Et toi-même. On met la caté. Tu ne bois pas ça. C'est pourquoi on souffre. C'est pourquoi tu souffres. Même nakati ya kana yo wana likamuno wana. Même pour ton cas à toi. Ce que vous avez débarrassé n'angoti. Si tu n'en es pas débarrassé. Le problème est tout misaka wana. Le problème qui te débarrasse. Péché wana. Ton péché. Ce que vous avez abandonné n'angoti. Si tu t'en débarrasses. C'est la faute du docteur. C'est pas la faute du médecin. C'est la faute y a médicaments. C'est pas la faute du médecin. C'est la faute na yo boko. C'est ta faute à toi-même. Pour lingi ko meleki cité. Parce que tu ne veux pas boire les médicaments. Oli kundi maté. Tu ne veux pas croire. Dieu a envoyé sa parole. Zambatinda kilobanaye. Je le remets. Et qu'est-ce que la parole? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mais la parole c'est quoi? Et c'est qui? Mais c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et si Dieu nous a envoyé la parole, c'est lui-même. Pour nous guérir, il a fallu que lui-même vienne. Pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous affranchir. Et voici le remède de Dieu dans la pharmacie divine. Il y a un assistant médical, si je peux l'appeler ainsi, qui l'a découvert. Qui l'a? Le remède de Dieu. Dont cet assistant médical a découvert. Amonaki. Il s'est écrié. Agangaki. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus crie le remède. Parce qu'il est la parole. Il est l'agneau. Par son sang. Son sang ôte le péché. Son sang nous justifie. Son sang nous lave. Son sang nous pardonne. Son sang nous nettoie. Et nous sanctifie. Voyez-vous cela? Dites amen. Amen. Mais l'homme de Dieu ne veut pas accepter le remède de Dieu qui est l'agneau à ses sujets. Et en plus de cela, Dieu a ajouté, comme un médecin qui parlait à un malade, il lui a dit le médicament que je t'ai prescrit avant, j'ajoute un autre. Et ce deuxième médicament, c'est comme hamburger ou... Sandwich. C'est comme un sandwich. Docteur Lobine, c'est un sandwich. Le médecin lui dit c'est un sandwich. Oui, il y a des le premier médicament là. C'est comme un sandwich. C'est comme un sandwich. Mais dans le sandwich, il y a des choses. Mais dans les sandwichs, oui, ami, il y a des choses. Le deuxième là, c'est il y a du beurre, du blé blanc. Il y a des œufs. Il y a un morceau de poisson. Tout, ça fait un tout. Et ça, là, bien. Ça va te faire du bien. Et le malade ne faisait que discuter avec le médecin. Non, mais cette fois-ci, moi j'étais présent, j'étais présent. Cette fois-ci, moi je croyais que tu allais diminuer. Mais regardez, tu m'ajoutes. Docteur Lobino, je ne peux pas diminuer. Mais, j'ajoute un autre problème. Et les produits que je te prescris, ça va te faire du bien. Prends ça. Bois ça, bois ça, ça va te faire du bien. Et le malade dit, mais ça a estomac. Mon belli, ça me fait du mal à l'estomac. Ça me fait du mal à l'estomac. Mais la gastrite aussi, c'est guérissable. Il y a médicaments. Alors, il y a encore deuxième produit. Il y a qui s'y a mis balé. Oh là là. C'est comme
Ezali bongo. Bon, je pense que je termine là. Est-ce que c'est clair? Nous venons ici dans un hôpital. Dieu a ouvert un hôpital. Zambe a fongola ki hôpital moko. Un centre médical. Centre médical moko. Clinique ezalia. Il y a une clinique ici. Et le médecin est là. Lui-même est là. Yé moko azaliwana. Le grand médecin. Yé munga ngango monene. Je suis l'éternel. Nazali yawe. Qui te guérit de toutes tes maladies. Na bokono na nyonso. Et je suis l'éternel qui te pardonne de tous tes péchés et de toutes tes iniquités. Croyez-vous cela? Amen. Le frère avait posé la question à Frère Franck. Est-ce que parmi nous, il y a quand même... Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a un don de guérison? Et puis, il y a le Binaé. Et Frère Franck lui dit. Bon, je n'en connais aucun. Naébi, à ta mon côté. Mais ce que je sais, frère. Kachio Naébi Ndeko. Le docteur lui-même est ici. Mungangango et Moko Azaliawa. Est-ce que ça pour lui? Est-ce que c'est clair? Don est athée. Le don n'est pas. Don est guérison des athées. Le don de guérison manque. Mais donateur, docteur, lui-même est présent. Amen. 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 Lèvons-nous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, en effet, Nabongo, à l'un et est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Et cela, Peango, selon le même Esprit. C'est sa manifestation. Et ça, à un autre, et la foi. Par le même esprit, c'est sa manifestation. Et elle a été donnée pour l'utilité commune. Ah non. Et pas une amososo. Le don. Likabo. Le don. Likabongo. Des guérisons. Yamabiki. Comment les anes singulier mais vous, c'est pas au singulier hein. Des guérisons. Yamabiki. Le don des guérisons. Il faut connaître cela de cette façon-là. Quand il y a plusieurs guérisons. C'est Dieu qui guérit. Toute guérison est divine. Est d'origine divine. Vient de Dieu. Satan. Satan peut te frapper de maladie. Mais il ne peut pas te guérir. C'est Dieu qui guérit. Et Dieu guérit par la médecine. Dieu guérit par des plantes. Dieu guérit par les aliments. Dieu guérit par la prière. Dieu guérit par la foi. Dieu Zambé. Guérit par les bons choix des mains. Dieu guérit par l'opération. Dieu guérit par les médicaments. Toute guérison vient de Dieu. Amen. C'est comme ça. Eza bongo. Soko beli. Si tu es malade, confie-toi en Dieu. Si tu es conduit à l'hôpital général. Koyokate des commandements humains. Un chrétien ne peut pas aller à l'hôpital. Il te trompe. Dieu lui-même. Atinda ba assistant médical naye. Applique bato pour qu'ils appliquent aux gens des plantes.
Atindaka Ezekiel. Il avait envoyé Ezekiel. Adjoa. Mbuma Yamosuke. À prendre des fugues. Akene kopesa Ezekias. Donner à Ezekias. Mboati anaban pota naye. Pour qu'il applique sur ses plaies. Ezekias yabiki samaki. Ezekias était guéri. Qui est-ce que vous allez tromper vous? Si je prends les feuilles de goyavier, je bois ça. Non. Ça arrête la diarrhée. Vous avez c'est bien. Et ça, madame. Oh, au moins antibiotique. Oh, il refuse l'antibiotique. Oh, au moins quinine. Moi-même, j'ai déjà acheté. Worlofia. C'est la plate avec laquelle on fait. J'ai acheté la à l'Équateur des sacs. Nous avons consommé quoi, sac na sac en Équateur. Pour nous regarder quand on. Pour venir vendre ça ici. Et puis ceux qui passent les chloroquines, na qui voit wa yo lobby et outil na mundele ya mande zebi hein. Chef famille la chloroquine actuelle, ça vient. Chef na bukelio étape ya libera yo lobby ezamabe. Si je prends les feuilles de goyave. Qui ne comprend rien. Yo osa consommer sur le long côté. Il y a des maladies qui sont en train de se faire. Il y a des maladies qui sont en train de se faire. Par des fruits, des feuilles. Tu même les médecins même prescrivent. Il y a des maladies. Va boire de l'eau. Pour la constipation, on est ici. Pour que la constipation prenne fin. Yo, toi, prends de la bouillie chaque jour. Mais c'est comme ça. C'est un bon God. Bon de l'anza. Prions Dieu. Yondo liki batu basi. Yoko kani na mutu mokote. Wojali njambe moko ya solo, pe bomo yango waseko. Toyeye pana yo. Toyaki lokola bakoni. Yo tinde libiso nkisi. Kisi na yo yande dilo. Dilo bande mwana mpate. Yesu Kristo. Et l'on y soussou, au côté d'un obéillé.
Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Zambé Abraham, Zambé Isaac, Zambé Israël. Nous nous sommes réunis ici autour de ta parole. Autour de ta table que tu nous as dressée. Nous te remercions pour cette riche nourriture spirituelle que tu nous as accordée. Nous croyons fermement que chacun de nous a reçu la parole que tu nous as envoyée. Pour guérir et spirituellement et physiquement et dans tous les domaines, un chacun de nous. Seigneur, accorde-nous la grâce que nous te soyons agréables par la foi et par l'obéissance envers ta parole. Seigneur, nous te remercions de tout cœur. Bénis ton serviteur par lequel tu nous as parlé. Je te remercie aussi sincèrement pour cette première communion fraternelle avec mes frères et sœurs autour de ta parole. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Petro, alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir. Et directement, le frère Albert va saluer l'église. Bon, je vous amène aussi les salutations de l'assemblée locale de Krefeld. Il y a, je suis ici depuis deux semaines à peu près. Et l'équipe n'est pas sommi balé nazaliawa. Je connais votre pasteur, notre frère Joseph. Chaque fois qu'il vient en Europe, il passe par Krefeld. Je crois que la meilleure connaissance, que nous sommes tous un dans l'esprit. Je ne vous connais pas personnellement. Mais je crois que je vous connais en esprit et vous me connaissez aussi en esprit. Bon, que Dieu vous bénisse. Amen. Quand je vais rentrer, avec votre autorisation, j'apporterai aussi vos salutations à l'Assemblée locale de Krefeld. Bon, que Dieu vous bénisse. Il est comme notre envoyé là-bas. Donc, et quelques-uns parmi nous vont là-bas, passent-nous chez lui. C'est vraiment à Krefeld. Que pour cela, le nom du Seigneur Jésus soit loué. Est-ce que nous accueillons les bien-aimés avec le nom de Jésus-Christ? Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. S'il y a d'autres visiteurs, qu'ils veuillent bien se lever. S'il y en a. Nous avons deux frères. 3, 4, 5. Nous les accueillons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sortons, vous allez revenir pour un rafraîchissement. Il y aura du sucré. Celui qui en voudra en prendra et pourra boire. Moi, ma yébissi. Quelques annonces. Ouais. Programme à Israël. Le programme pour Israël. Je crois.
Bongo et Sengreki Kotinda Mapona tranche et Aliboso et CPSAB. Je crois que l'argent qui devait être envoyé pour la première tranche a déjà été donné. Sikoyo, nous allons en pleine deuxième tranche. À présent, nous sommes en pleine deuxième tranche. Alors, Ezosenga et Tindama. Il faut envoyer cet argent-là. Pour que la mingité. Car sous peu, on pourra clôturer. Le frère qui est chargé de cette affaire, c'est notre frère Mukendi Kayembe Justin. Pour la foutre à Mpako, nous avons dit pour ne pas payer les frais d'envoi à tout moment comme il est demandé, il faut qu'on puisse réunir du coup une bonne somme et puis on envoie. Donc, pèse à yo. Donne aussi ta part. Avec ma part. Avec sa part. Avec votre part. Leur part. Notre part. Et du coup, il va envoyer tout. L'annonce est la suivante. Si tu as déjà envoyé la première tranche, tu dois aussi envoyer la deuxième tranche. Ou la troisième tranche. Si tu dis, bon, moi je m'arrête à la première tranche. Nguma promotion. Cet argent, on l'avale comme dans Nguma promotion. Et ça, difficile de le récupérer. C'est difficile de le récupérer. Okoya ko tungisate, frère Justin. Tu ne viendras pas déranger le frère Justin. Oh, frère Justin, n'a pas besoin qu'on engaille la première tranche. Oh, frère Justin, je t'avais donné la première tranche. La deuxième était. Comme je n'ai pas la deuxième tranche. Restitue-moi mon argent. Bomba kanguti. C'est pas Justin qui garde ça. Lui envoie en Israël. Et en Israël, Israël. Moto aza responsable kuna. La personne qui est responsable. Takana, frère Franck, c'est lui qui traite avec Monsieur Karel. Monsieur Karel. C'est difficile pour. Yebi asi magango simba. Si l'argent est déjà entré, c'est difficile de le récupérer parce que c'est pas lui qui garde ça. Si c'est pour l'hôtellerie, il a déjà payé. Si c'est pour le transport, il a déjà payé. Donc, soge okokate. Si tu, ne seras pas, si tu ne seras pas, tu es incapable, ne donne pas. J'en assure que on compense à Dieu. Sois sûr de donner toutes les tranches. C'est comme ça. Et bon go. Donc, réclamation dans ce matin. Oh, bon, on n'a pas de oh, pas de réclamation après. Oh, mon argent, je ne peux pas le faire. C'est parti, en fait, parce que c'est toi-même qui es incapable d'accomplir ta promesse. Voilà ce qu'on avait comme annonce. Tout ça, n'a pas de déco. Il y a un frère qui venait de se marier. Mais il est à l'intérieur du pays, dans l'assemblée à Goma. Il est allé se marier à l'intérieur du pays, dans l'assemblée de Goma. C'est le frère Kakule Vianney. Avec sa femme, il peut venir. Toi, nous sommes joyeux. Pour le frère Vianney. Pour le frère Vianney. Oyo, Autikubala, Degonabissoya Moissi. Qui vient d'épouser notre sœur. C'est ma sœur qui, j'oublie le nom. Ma sœur Charon. La sœur Charon. 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 Voilà.
Nous leur souhaitons des bénédictions. Est-ce que ça bon? Et c'est comme ça. Amen. Jambe à Pambo la bangona comme la Yesu. Que Dieu le bénisse au nom de Jésus. N'appelle pas le code de la famille. Je leur remets le code de la famille. Bobaloka. Et tournez-vous ici. Tournez-vous. Code de la famille Angoyo. Voici le code de la famille. Eza Biblia. C'est la Bible. Ya bagarre. Ce n'est pas des bagarres. Eza querelle. Ce ne sont pas des querelles. Dispute. Ce n'est pas des disputes. Dans chaque cas. Katia nika momoko na moko. Olubito fungo la code de la famille. Dites, consultons le code de la famille. Règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur. Ya couple chrétien. Ya baba na ni ba Christo. Nyoso eza lia. Tout est dedans ici. Na ba mbongo ya lia. Et l'argent est ici. Na bolimbi eza lia. Le pardon est ici. Ma pamboli nyoso eza lia. Toutes les bénédictions sont ici. Oyo eza nzambe na lolenge ya buku. Ça c'est Dieu sous forme du livre. Yemoko abate la Bible. Que lui-même vous garde. Toko kangamis. Fermons les yeux. Matondo tata. Merci Père. Pour le couple oyo. Pour ce couple. Déjà basira ki kupambula ma. Ils sont déjà bénis. Puis te remercier yo. Et nous te remercions. Tous os et l'accomplissement. Nous attendons l'accomplissement. Ya multiplication. De la multiplication. Pour bakoko ko remplir la terre. Oui te bakoko tondi sa mabele. Au nom de Jésus-Christ. Nankombo Yesu Christo. Amen. Amen. Deko couple efandi na balabala Kima. Le couple réside sur la rue Kima. Binza Brikin. À Brikin. Arre. Numéro 15 Kima. Kima numéro 15. L'avenue Kima numéro 15. Arre Brikin. L'arrêt Brikin. Et puis hein? C'est l'arrêt. Arre za Blandine mais rue Kima. Ah l'arrêt rue, Blandine rue Kima. Rue Kima numéro 15. Numéro 15. Binza Briki. A Binza Briki. Nzambe apambula bino. Que Dieu vous bénisse. Boluke la bango sikri. Vous allez leur chercher. Soko yaki pena mo eloko pesa bango. Et si tu as quelque chose sur toi, tu leur remets. Voilà. Soko lelo te ata lobi to posukoya. Si pas aujourd'hui, demain, les jours à venir ou la semaine prochaine. Tosi programme Israël. Papa est déjà présenté. Mercredi, jeudi, vendredi, tu rencontres Nawa. Mercredi, jeudi, vendredi, nous retrouvons ici. Pour la culte. Pour les cultes. Mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Tu rencontres Nawa pour la culte. Nous nous retrouvons pour les cultes. Jambe à Pambola Bissona, comme la Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Awa, tu rencontres Nankolo, tu rencontres Bébé Wana Aya. Pendant que nous chantons, nous demanderons qu'on amène les bébés. Est-ce que Koran est en arrière? Pesa mundu le moko. Pe ndeko bosenge kuyako sambela pona bebe. Bebe. Multiplication. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le petit enfant se trouve entre les mains. Dans l'amour de tes deux enfants, tu leur as donné cet enfant. Et en cette matinée, il est dans nos mains. Dès à présent,
Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Consacré. Et qu'il soit consacré. Que ses parents aient les moyens qu'il faut pour élever l'enfant. Et quand l'enfant grandira, et qu'il sait distinguer le bien du mal, qu'il puisse aussi te servir. Merci, Tata, pour la Ligabo. Merci, Père, pour ce don. Quand nous le consacrons entre tes mains, sous ton sang, soit son enclos. L'épidémie qui frappe les enfants puisse s'éloigner de l'enfant. Merci pour le don. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. I'm not